Mesdames, amis fanatiques, bonsoir pour nous toutes. Je dis assez lundi 27 mai. Dans mes quoi, c'est toujours servité au merci Dieu. Mais quelques parmi nouvelles qui ont dominé l'actualité. On a fait un coup de pied en République dominicaine. On a déposé chez nous. Et prêle to plate. Il y a un incident malheureux qui passait. Incident ça a gagné gros conséquences sur les Haïtiens qui vivent dans la zone ça. Un jeune garçon mourit avec zo bois tête écrasé. Pas wash pendant un incident. Et bien, jeune garçon qui mourit avec zo bois tête écrasé avec coup wash, et bien c'est dans le secteur Padre Granero dans la municipalité San Felipe de Puerto Plata. Moun ki mouri a, li te rele José Luis Núñez. Li te gon ti nan gate Chulos. Se jeune garçon ki nap gade e sou ekran, se li même ki mouri avec zo bois et tête li écrasé. Et c'est un foul haïtien qui attaque elle, eh bien, pendant un chalet tapage dans le quartier Le Bronx, San Granero. Il y a plusieurs versions. Il y a deux versions qui viennent joindre moi là. Et même plus quoi dans la deuxième version. Mais qui sa première version en y est, version principale là. Événement qui indique que le groupe haïtien a été attaqué Núñez, qui c'est un dominicain. Et pendant haïtien groupe haïtien attaqué, c'est la première version m'a bonne là oui, groupe haïtien attaqué monsieur, et bien monsieur tombé, il perdit connaissance. Et bien nèg yo prend gros wash, yo lagué sous tête dominicain, yo crasé boîte tête dominicain. M'pa besoin expliquer non rien encore, tout ça qui est en dans zo calbas tête là, et bien gaé à terre parce que son gros wash nèg yo pran yo lagé sous zo tête dominicain. Noté apprendre que victime nan ki sa te passé c'est yo nan verso sa li intervenu nan yon bataille et ben ki te gen entre yon zanmil et ki t'ap goumé ensemble avec haïtien yo li même li t'al séparé goumé an. Et bien c'est nan séparé goumé an li joine lan mol. Ça c'est premier et version an. Eh bien, rime sa ki tap si ki le fait konen ke José Luis Núñez ensemble avec yon lot sujet ou bien lot individu, soit disant te essaye déshabille yon haïtien. Vous entendez? Et deuxième version, qui sa lié, Dominique Saar, ki mouri a José Luis Núñez, li même ensemble avec yon lot individu, yon pran yo tal déshabillé yo haïtien, ça veut dire yo tal volo yo haïtien, tal prend tout sa té sur haïtien, yo tal atrakal ou du moins yo tal braquel. Et ben dans moment que monsieur ensemble avec yon lot a volo haïtien, et ben gen plusieurs autres compatriotes, plusieurs autres haïtiens qui wè ça, et ben yo vinn aider haïtien que deux dominicains yo tap volo. Et c'est dans circonstance ça c'est premier, ça c'est deuxième version. Et mais c'est dans ces circonstances là, et bien haïtien yo attaqué et dominicain li joine la molle ensemble avec zo calbas tête li qui écrasé a. Dans sens ça, gen la police et qui déjà intervenu, la police dans région et bien qui déjà et commencé yon enquête côté enquête la rap et sous dossier pour connait qui ça qui passé, mais gen plusieurs haïtiens dans zone là. Et bien, ils ont déjà arrêté, et bien, puis ils sont capables de mener enquête pour qu'on ait vraie raison de ce qui s'est passé, et puis ils sont capables de joindre tout le monde qui était impliqué dans l'exact assassinat. Ces jeunes garçons, et que nous avons sur l'écran, José Luis Núñez, et la première version dit comme ça, lui-même, il a séparé l'autre dominicain qui a goûté ensemble avec haïtien. Et puis c'est là que je le mol. Mais deuxième version fait qu'on est, et bien yon tal braqué, yon tal volé yon haïtien, et bien yon l'autre groupe haïtien qui dans zone yon vin aider haïtien, et bien c'est là que monsieur li joine la mol. Et bien ma fait nous songer ça passer Puerto Plata dans yon zone qui est le Padre Granero dans la municipalité, et bien San Felipe. Et nous tous nous connaissons les yon haïtien, man yon dominicain. Quelle que soit raison pour saleté capable de pour moi un dominicain, ça veut dire qu'on déjà qu'on est ensemble avec toute l'autre yo. Et dans ce sens ça, c'est mourir nèg la mourir, c'est assassiner assassiner,
mais pas de monde qui connaît qui ça capable arriver dans zone ça et bon dans Puerto Plata. Et n'a continuer ensemble avec information n'a rentrer en Haïti ensemble avec dossier qui gain pour ensemble avec politique la conseil et présidentiel là et bien cap et traîner pied et pour yo capable nommer et yon premier ministre et nous pas attendre comment ça est et comment dossier a lui même lié ensemble avec premier ministre ça on a le suivre des conseillers qui t'ai parlé dans média qui te promettent la république avant la fin de cette semaine le nom du nouveau premier ministre sera rendu public et ça vous dit mot pour mot qu'on a à partir de qui moment donné au changer à partir de qui moment que tu gon top 3 pas un top 3 encore yo vinn faire passer à 5 jusqu'à ce que yo vinn mettre de l'autre élément dans panier et bien c'est à partir bien sûr de la publication de l'ambassade des États-Unis en Haïti plus précisément à Port-au-Prince. Et qui ça notre l'a dit nous prend version créole là nous comptons apprendre conseil présidentiel transition hein, commencer à processus pour choisir un premier ministre et nous pas qu'attendre pour Haïti un premier ministre à qui un gouvernement transition qui choisit sous base mérite technique à travers un processus transparent et puis sans fausse côté. Comme d'habitude, on sait de bagailles qui là vient joindre, que ce soit information, des documents, etc. Nous garder là à deux yeux. Nous garder là à 11 yeux, juste au monde d'abli qui pas apprécié. Mais nous garder le tout à 11 yeux de journaliste, parce que le journaliste est toujours curieux. Il est toujours à poser des questions. Pour qui ça c'est ça, c'est pas ça. Pour qui ça n'a place ça, c'est pas ça, etc. Eh bien, le nous ouvrir les journalistes à guerrier du seul, nous parler avec de l'autre monde. Et puis nous concluons que la note de l'ambassade des États-Unis en Haïti n'est pas innocente. Et le relit publication encore, gain de mots, gain de phrases, monde qui écrit pour l'ambassade utilisé. Pas quoi c'est pour la galerie ou utilisé. Pas quoi c'est pour la forme ou utilisé. Il est bien traduit. Il est bien charrié d'ailleurs. Exemple. On dit dans version créole là, ambassade là, choisi, mettez, nous pas qu'attendre. C'est ça, il est impatience là en français. Nous pas qu'attendre pour Haïti comme premier ministre. Il n'y a pas qu'attendre. Donc ça veut dire qu'ils vont marcher. C'est une raison de faire ça. Ils ont besoin. Donc il n'y a pas qu'attendre. Probablement, ils ont besoin de discuter. Ils ont décision de prendre. Ils veulent prendre là avec le nouveau chef de gouvernement. Probablement. Mais ça, c'est certain, Léo dit qu'ils n'y a pas qu'attendre. Ils veulent dire ça, ils veulent dire. Nous pas qu'attendre. Pour Haïti, un premier ministre avec un gouvernement de transition. Aïe, premier bagaille, moi souligné dans notre ambassade là. Deuxième bagaille, nous souligner, c'est là où dit, un premier ministre, un gouvernement qui choisit sous base mérite technique. Il a bien choisi, moi, il a pesé sous lui. Sous base mérite technique. Avec dit son monde qui a compétence pour le faire job là. Son monde qui a capacité pour le faire job là. Son monde qui répond à critères, il a établi. Troisième bagaille, moi invité nous souligner dans notre ambassade là, c'est là où on parlait de processus transparent et puis sans fausse côté. Transparence et impartialité. Pour vous autres, pour vous deux, nous pensons que c'est des mots qui choisissent au hasard. Moi j'en doute très fort, guerrier de ça. Est-ce que sous cette ambassade là blanc, puisque nous disons que Négio Tegetan, qu'on est qui orientation à choix. Puisque me dit ou dans le conseil ministre jeudi a négocié annoncé que non premier ministre à public week-end ça là puisque me dit ou le conseiller parlé dans la presse qui te dit semaine qui se passait à la patate fini
pour pays pas connait qui est-ce qui premier ministre. Et automatiquement notre la sorti voilà que tout le monde attend nos premier ministre sorti vendredi rivé samedi et même rivé dimanche, c'est l'autre bagarre qui a parlé. Est-ce que son centre ambassade là prend que nous autres tourner nous pas bonne capacité pour nous prendre ça, on pas connait. Est-ce que bon coup nèg t'a préparé ambassade la senti coup ça ka fatal ou bien yo même tout yo pas retrouvé dans coup ça, nous pas connait. C'est question à poser guerrier. Est-ce que tout dans coup ambassade là senti que t'a préparé à ambassade t'a un candidat lui-même qui t'a fait le plus bien, qui t'a prendre le plus confortable et que le senti candidat ça capable out, nous pas connait. Mais nous même nous certains à plus de 200% guerriers, notre ambassade là vendredi a il va innocent. Gon bagay qui motive elle et ça qui prend ban nous raison, c'est mot utilisé yo, impatience, mérite technique, transparence, impartialité. De bouè yo dil mon ba yo konnen k'ap fèt. Monsieur guerrier, ouais citoyen Zamzo qui pas réuni aucune condition sur le plan technique pour le premier ministre pays a. M'pa vle faire serment même si m'konnen gen k'ap d'accord. Si CPA prononcé le mercredi ou bien jeudi, monsieur premier ministre. Tellement tout ba était en OK. Oh guerrier, vas-y c'est blague m'a bay. Si CPA prononcé le mercredi ou bien jeudi, monsieur premier ministre. Ok. Et si vous avez mis monsieur premier ministre, et jusqu'à présent, il y a possibilité de vous mettre le tout, je vais tout vous épingler à ça, vous avez des informations, vous risquez gros. Et là, je m'adresse aux leaders politiques qui a dirigé un ensemble de groupes ou bien de partis qui sont des partis prenantes, si vous voulez, dans la question CPA. Et il y a des dans le secteur privé à guerrier qui recevoir des appels de la communauté internationale, notamment de Washington, qui va des warnings. Et comment ça vous dit? W-A-R-N-I-N-G. Mon n'y va en anglais. Des warnings. Pas trop fort. Pas trop fort. Mais au moins, mon de qui ça m'a parlé. Adjani, pas trop fort. Au moins, mon de qui ça m'a parlé. Je dis attention. Parce que il y a des qui t'a bail, des bail qui t'a annoncé, des qui t'a dit à jeune des bagages, etc. Et au parcours nécessaire magie, ils ont bouton nèg yo pesé. Et bouton des bruit de secours. Nèg yo accouché bon, pral gon débat public entre cinq candidats. Bon après bail fait mon saisi comme ça. Moi même t'a bon de l'autre loi manqué étranglé, m'aime lire information ça pour première fois. Que nèg yo pral faire un débat public, un débat ouvert. Pour ba n'a dit si nèg yo te gen temps di a passé de 15 à 3. On dit ta dwe gen débat. On suppose ta gen débat entre 3 moun yo avè. Oui, mais toujours ça. Et pour qu'il a le 5. Alors que chiffre 5 ça, pas de pièce côté, pas de pièce document. Sou rale là. Monsieur Damien t'a évoqué. Donc là, vous mettez la 5 là, vous voulez arriver, pas vrai? Et pas pour grand merci. Vous êtes capable de justification.